À 54 ans, Valérie Carcenti peut se vanter de s'être construit une belle carrière. La comédienne a touché à tout, de pièces de théâtre à des comédies populaires pour le cinéma, mais, surtout, elle est connue pour son rôle emblématique de Liliane dans Scène de ménage, où elle forme un duo avec Frédéric Bourali, alias José, depuis la création de la fiction humoristique de M6 en 2009. Une fiction qui parvient à se renouveler depuis toutes ces années, notamment grâce à la diffusion de primes ponctuelles comme mardi 17 janvier. Si est-ce justement à cette occasion que Valérie Carcenti était l'invitée du Buzz Télévision. La femme de François Ferroletto a alors confié être toujours très heureuse de jouer pour la pastille de la 6ème chaîne. Scène de ménage m'a apporté beaucoup. Je m'amuse toujours. Si est-ce aussi un luxe parce que ça me permet de faire exactement ce que je veux à côté. Vous vous rendez compte de la liberté que ça me donne? Ça veut dire que tout ce que je fais à côté, ce sont des choix absolus et que je peux refuser ce que je veux. Mais qui a cette liberté-là? Et en plus je me marre, se réjouit-elle. Il m'est arrivé de me dire. Mais au cours de ces 14 dernières années, Valérie Carcenti a déjà ressenti le besoin de s'éloigner de son personnage de Liliane, parfois au point de tout vouloir arrêter. Il m'est arrivé, parce que je suis honnête, de me dire ça y est, je suis au bout, a-t-elle reconnu à nos confrères. Mais à chaque moment de doute, la jolie brune a trouvé du soutien auprès de la production de la série. Ensemble, ils parvenaient alors à trouver des solutions. J'en ai discuté avec la prod. Si est-ce pour ça aussi qu'on a réduit les jours, parce qu'ils sont intelligents. Et hop, ça revient. Si est-ce un peu comme des vagues. Vous savez, moi je viens du théâtre. Donc au théâtre, quand on joue 6 mois d'affilée, on ne va pas vous mentir, il y a des jours où on se dit ça y est, le tiroir il est vide, je n'ai plus rien à donner. Et puis tout d'un coup il y a une autre vague qui arrive et ça repart. Donc moi je m'écoute, on a une prod qui est intelligente. Et pour l'instant, je suis là, a-t-elle expliqué. De quoi rassurer les fans de la première heure de Scène de ménage.